for our first speaker of the day, day three, we have someone here whose name I have to pronounce on Swayo. It seems like some people in Holland and in Belgium call him Swa, but that's another interpretation. But Stefan is not really the German Catholic priest that you would be Googling now. No. But he has as well a very special interest in networking security and measurement skills that his fellow name holder that you can find Googling on Wikipedia presumably is using as well. Swayo is a well-known player in the internet field here since more than two decades. And being involved in various programs, events, and committees like, if I pronounce this right, Euro 9 or Euro IX, yeah, and DNOC. So some of you probably know him. He's as well a founding member and managing director of E6 for 15 years. So that makes him, besides being an old fart like me, he's above all a time traveler, an everlasting wanderer, an explorer, a learner, and heavenly willing to share his experience and knowledge with all of us. So I have the pleasure to introduce to you Swayo. Please, enjoy. Bonjour et bienvenue à la traduction de ce talk par Swayo. Aujourd'hui, la traduction va vous être faite par Louis. Et on va parler du côté économique d'Internet. Bien. Bonjour à tous, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui vienne ce matin. Et ça fait plaisir de vous voir ici ce matin. Merci beaucoup. Donc, comme on l'a dit avant, on va parler de la neutralité du net, net neutrality. C'est un gros buzzword. Je ne suis pas vraiment un juriste, je ne suis pas vraiment un économiste. Je viens vraiment du côté technique, du côté du réseau. On ne va pas vraiment parler du côté légal. Je crois qu'il y avait un talk à propos de ça hier. Donc ne soyez pas surpris, c'est vraiment très à propos du réseau, de la technique. Ok, de quoi va-t-on parler ? Je vais vous montrer l'aspect commercial et comment est-ce que ça influence Internet. Beaucoup de choses sont cachées dans le cloud, etc. Donc on va essayer de trouver des stats, des nombres. Je vais vous donner quelques extraits d'arguments que certains avocats et opposants de la neutralité du net sont basés. Je me suis beaucoup inspiré d'un film qui s'appelle « Toutes les créatures sont les bienvenues ». All creators welcome. Recording session. It was 8 minutes left at the end. I'm not as lucky. We had 120 slides. We are now down to 80, so I have to hurry a little bit. So ok, je vais devoir me dépêcher un petit peu. J'ai dû réduire le nombre de slides que j'avais. Ok, voici le plan. Donc, les premiers jours, on va commencer avec ça. Ok, c'est marrant, mais le premier papier que vous pouvez regarder et qui a une relation avec Internet s'appelle Le réseau d'ordinateurs intergalactiques. Et ça a été publié en 1963. Et ensuite, on a eu ARPANET. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de ça. Et ça ressemble vraiment à l'Internet qu'on a aujourd'hui. Ça a fonctionné pendant très longtemps, des années 60 aux années 90. Peut-être que vous connaissez ça aussi sous le nom d'ARPANET, qui veut dire défense ARPA. Il faut savoir que ARPANET, donc, qui est l'ancêtre d'Internet, était à l'origine d'un projet de la défense américaine. Après, on a eu NSFNet, ANSNet. Ok, c'était les beaux jours. Dans les beaux jours, on pouvait
cartographier Internet sur une seule carte, sur une seule page. But this fits on a piece of paper. And actually, if you look at it, this is a quite nice mixture of. Si vous regardez, en fait, c'est une bonne représentation de différentes universités. Donc on voit plusieurs universités américaines, également quelques gros boîtes internet comme DEC, comme Xerox. Donc au début, il y avait uniquement... Dès le début, en fait, il n'y avait pas seulement des chercheurs, des gens dans l'académie, mais également des entreprises sur ce réseau, sur cet ancêtre d'internet. Donc, comme je l'avais dit avant, il y a NSFNet qui est vraiment un réseau important, qui était pionnier. Il faut comprendre qu'à l'époque, les ordinateurs avaient vraiment des interfaces différentes. Trying to make it easier for them. So they said, okay, it would be nice to have one terminal. Ce serait bien de pouvoir avoir un seul terminal, une seule interface homme-machine pour pouvoir se connecter à tant de machines différentes. Une seule interface pour plusieurs types de machines, ce serait bien. Bandwidth is funny. It starts with, we would call it IP. Et donc NSFNet a été fondé dans les années 80. Donc on parle un peu des différentes V7 qu'il y avait à l'époque, donc 56 kilobits par seconde, 1,5 mégabits par seconde. Donc à l'époque ils ont introduit un concept de tiers. Donc un tiers. Donc, c'est un niveau au sein d'une hiérarchie, au sein d'une organisation ou d'un système. Donc c'est un niveau au sein d'une hiérarchie et c'est la hiérarchie d'une organisation ou d'un système. Donc, par exemple, au milieu, on a une couche de distribution. On peut penser que ça pourrait être des villes. Et donc je crois que la dernière ligne en bas avec les petits cercles verts correspondent à des fournisseurs d'accès Internet, donc qui sont plutôt locaux au sein d'une ville. Donc le but de NSFNet, c'était principalement la recherche et l'éducation. Mais la manière dont ils en parlaient, la manière dont ils décrivaient ça, c'était que ce n'est pas fait pour un usage commercial. Invented for network. Et c'est intéressant parce que NSFNet, c'était l'un des premiers réseaux avec en fait une charte d'utilisation, des règles d'utilisation, nice idea. Presque comme une licence. Parce qu'ils voulaient être sûrs que le réseau soit utilisé comme pour la raison pour laquelle il avait été construit et conçu. That was the reason why they got problems with the regional ISPs in these times. I wouldn't call them ISPs in these times. Donc, a priori, l'équipe de NSFNet a eu des problèmes assez localisés. Alors, j'imagine lorsqu'ils ont essayé de déployer ça de manière localisée dans certaines villes, certaines régions. NetNews, Mail, all these old, really great stuff. Some have already heard of UCP and dial-in and even in. Donc là, on parle un peu d'anciens protocoles Internet, d'échange de messages et de fichiers comme Usenet. Donc à l'époque, vraiment, l'email, c'était vraiment l'application qui était vraiment intéressante, c'était Killer Application. Ça envoyait du rêve. Without having five different email accounts and to use your modem, dial into five different platforms. You could use one and it was four. A priori, c'était intéressant parce que NSFNet, ça permettait vraiment de fédérer des réseaux différents ensemble, donc d'interconnecter des services de mail, par exemple. Okay. UNET, PSINET, SurfNet. And you see, now comes economics. Ok, maintenant on va parler d'économie. Premier. Introduction d'économie.
Donc l'économie couvre à la fois les aspects commerciaux et non commerciaux d'Internet. Explains itself. I will read it for you. Internet economics describe various facets and how we build, operate and use. Donc, l'économie d'Internet décrit différentes facettes de comment est-ce qu'on construit et comment est-ce qu'on opère et utilise Internet. Comment parler d'ANS? Donc, ANS, qu'est-ce que c'est? C'était service réseau avancé. Et c'était fondé par Merit Network, IBM et MCI au début des années 90. C'était opéré jusqu'à la fin des années 90. Et il y avait à la fois une partie commerciale et une partie non commerciale. La partie non commerciale était en fait l'épine dorsale de NSFNet. Then you have the more commercial aspect called core. On avait également l'aspect commercial qui s'appelait core, qui était vraiment l'épine dorsale de NSNet, et c'était utilisé pour à la fois la recherche et un usage commercial. C'est un système qui s'est arrêté en 2015, il y a seulement 3 ans. Donc ce genre de choses, ça peut vivre un long moment sur l'Internet. Donc on est obligé de commencer par parler d'ANS et d'ANS Core quand on veut expliquer un petit peu Internet. Et voilà, on a expliqué aussi les premières mailing lists. Alors la question c'est, maintenant c'est qui va payer pour Internet, qui a payé pour cette structure? Même si les gouvernements ont beaucoup d'argent, par exemple, il y a $1 million pour fonder ARPANET à l'origine, ça il faut le savoir, l'investissement général pour Internet c'était $1 million, c'était utilisé un investissement qui venait du budget de la défense américaine. Et à l'époque, c'était énormément d'argent. Attention, on parle des points d'accès au réseau. Hiérarchiquement, c'est le niveau au-dessus quand on parle du trafic Internet. C'est le point où les différents réseaux s'interconnectent. Ça, c'était le problème au premier réseau. Il fallait utiliser ce genre de point d'accès et il fallait pouvoir le payer. Donc là, ce que vous voyez, le nuage rouge, vous pouvez penser que c'est l'épine dorsale du NSF. Mais ce n'était pas gratuit d'installer ça. Maintenant, si on s'intéresse aux boîtes bleues sur le slide, elles doivent payer pour les points d'accès au réseau. Donc, en fait, on paye 2 fois pour son trafic Internet. On paye son fournisseur d'accès, on paye aussi l'accès au réseau général. But what's the other case? If you are both in the same data center, and maybe. Mais si on est tous les deux dans le même data center, est-ce qu'on a forcément besoin de passer jusqu'au NAP pour revenir transférer la donnée à quelqu'un qui par exemple est juste à côté de nous? Si je mettais un câble entre nous deux, on pourrait transférer un fichier comme ça. Et ça, c'est le point de départ de l'idée d'échange par Internet. Prendre toutes les connexions entre les centres de données et leur donner la possibilité d'échanger de pair à pair, de transférer des informations sans payer. Voilà pour les points d'accès au réseau. Et qu'est-ce qui se passait en Europe pendant ce temps-là?
Bon, le DFN a été fondé en Allemagne en 1985, basé sur le protocole OSI, mais je ne peux pas en parler maintenant parce que ce serait trop long. Mais bon, ce n'est pas compatible avec le réseau qu'on a aujourd'hui pour Internet. Il y avait deux projets universitaires, Unido et Xlink. Peut-être que le plus vieux d'entre vous s'en souviennent. Et ceux-là, ils avaient déjà une connectivité avec l'ARPANET aux États-Unis. Et j'ai utilisé le transfert par paquet eux aussi. Ce à quoi le FN n'utilisait pas encore ce mode de transfert. Ils ont mis un petit peu de temps à s'y convertir. Individual networks. L'association Individual Network, IN, a été fondée en 1992. Mais je ne pensais pas que c'était aussi vieux ou qu'ils avaient commencé si tôt. Et je veux dire, bien joué les gars, c'était une bonne chose que vous soyez là à l'époque. Et au passage, je signale que les Anglais, de leur côté, en 1973, étaient déjà connectés ARPANET, 12 ans avant que la communauté scientifique allemande s'y connecte. Bon, du côté des télécoms allemands, tout le monde connaît BTX, j'imagine. Qui existait à partir de 1983. Alors comment c'est connecté à Internet, ça? Est-ce que ça a un lien avec Internet? En fait, il y avait énormément de CD qui ont été envoyés, et ça permettait de se connecter à Internet. À travers BTX, la plateforme BTX, on pouvait se connecter à Internet. C'était un des points de départ en Allemagne. L'autre moyen, c'était de passer par le réseau universitaire. Je me souviens encore du jour où ils avaient lui modem à l'université de Berlin. Et il fallait faire le numéro à la main pour se connecter à une adresse. Il y avait aussi d'autres opérateurs. J'ai déjà cité. C'est les petites bouteilles vertes qu'on voit sur le schéma que j'ai présenté tout à l'heure. So, other services? Was there a competitor in the market? Yes, they were. Mais il y avait aussi des concurrents. Certains se souviennent peut-être de Fidonet ou de Mailbox System. Mais après que l'Internet a été établi, bon, c'était fini pour eux. Alors, le premier jour, le jour zéro de l'Internet, comment est-ce que ça a commencé? Alors, le nouveau protocole a été lancé en 1983. C'est la première fois qu'on utilisait le TCP/IP. Le premier email a été reçu le 1er septembre 1984. Le premier point DE, ça a été en 1986. Le transfert par protocole hypertexte, lui, date de 1989. Et là, c'est le début, c'est le développement d'Internet pour des individus. Ça, c'est important, c'est que c'est la première fois qu'on a une interface d'utilisateur assez facile à utiliser. Et en 95, c'est là qu'on a les CD qui permettent d'accéder à Internet en Allemagne. Bon, c'est vrai que c'était pas les meilleurs navigateurs Internet qu'on avait à l'époque, mais bon, c'était déjà des navigateurs. Vous pouviez voir des affiches, vous pouviez accéder à des sites Internet, etc. Mais bon, si je devais vous raconter tout ça, on y sera encore demain matin. C'est pour ça que je suis assez rapide. Ok, explication des réseaux. Ok, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être vraiment ennuyeux parce que vous connaissez déjà tout ça. Ok, regardons comment est-ce que le trafic cool, flow, sur Internet se déplace.
starting in the middle. On va commencer au milieu avec le cœur. Now again the tier model. On a toujours bien sûr le même modèle de tiers. Also the links between the big providers. Donc les liens entre les connexions entre les gros fournisseurs. Il y a à peu près une douzaine d'entreprises qui font ça aujourd'hui. Très international. Also not too many Asian, but this is actually the people who run the backbone. Donc ces entreprises vraiment la, font fonctionner l'épine dorsale d'Internet, toutes les connexions intercontinentales par exemple. Ensuite, on a le second tiers, juste en dessous. Donc, vous payez un peu pour ça. Et ensuite, au dernier tiers, le plus proche de vous, c'est là où vous payez le plus. Est-ce que je ne montre pas, si on continue de descendre, en fait, si vous échangez des choses entre vous sans repasser par les tiers au-dessus de vous, vous pouvez également échanger du trafic pour pas très cher du tout, voire gratuitement. Et c'est vraiment une des réseaux, une des choses pour lesquelles Internet a été conçu. So it could be quite cheap there, but it's not reality. Reality is in worst case that you have to turn traffic from tier 3 to tier 2 to tier 1 and then back again to tier 2 and tier 3. So you pay a lot of money. Donc, mais parfois vous avez besoin de passer du trafic à travers tous les tiers et là ça vaut vraiment cher. American sort it could work. Reality is more like this. En réalité, la grosse majorité du trafic reste entre les tiers 3 et tiers 2. Donc, on passe rarement par l'épine dorsale intercontinentale Internet. C'est beaucoup plus localisé. Et ça, c'est cool parce que ça optimise les coûts pour à la fois les consommateurs et à la fois les fournisseurs d'accès Internet régionaux. Donc bien sûr on a vu que les coûts se sont réduits au fur et à mesure du temps grâce à ces optimisations économiques un petit peu. On peut optimiser où le trafic passe et optimiser les coûts de cette manière là. Ok, donc là c'est un peu plus compliqué, on a 4 différents types d'équipements représentés sur ce graphique. So what we have there, starting in the lower, is the 4G, maybe. Okay, donc au bas, on a 4G, donc des réseaux sans fil, réseaux radio. Ensuite, on a la fibre qui va jusqu'à la maison, fibre qui va jusqu'à l'appartement. And then there's internet on it. Bien sûr, vous avez internet par-dessus ça. Bien sûr, après on a le réseau coaxial qui est utilisé pour la télévision à l'origine. Reserves up to 2 gigabits per second, and now sell 500 megabit up to a gigabit. Donc on peut arriver jusqu'à des vitesses de 1 gigabit par seconde sur ce type de réseau. Ensuite, bien sûr, on a un réseau classique cuivré qui est à l'origine le réseau téléphonique. Transporting internet over another protocol, but yeah, there you have the differentiation. We call the if you look at the first gray bar on the left and then the second bar to the right, this space in between you call the last mile. The last mile. Okay, on parle du dernier kilomètre entre là où vous avez vraiment c'est le ce qui relie ce qui vous donne vraiment accès à internet, ce qui vous relie vraiment au backbone et entre chez vous, c'est ce qu'on appelle donc le dernier kilomètre. N'oubliez pas que ça, c'est, ça vous donne pas vraiment accès à Internet. Ça vous connecte juste à votre fournisseur d'accès à Internet, mais c'est pas suffisant pour vous donner accès à tout Internet. Later we will focus on the DSL links. Plus tard, on parlera un peu d'ADSL. ADSL, SDSL. Yeah, coming to the content. Donc maintenant, on va parler un peu du contenu, de ce qu'on échange. Donc on va parler de livraison de contenu, donc vraiment contenu. Donc ça va être
par exemple des vidéos, ou des sites web, tout ce que vous téléchargez d'Internet. Europe, China, and then you have Australia and Africa. Donc on voit les différents continents, on a l'Europe, l'Asie de l'Est, l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Tout le monde a entendu parler de ces gros fournisseurs de cloud, Azure, Amazon. Et ils ont des gros data centers. Et ces data centers sont répartis sur toutes les régions. And we have also cloud services in Germany, which are really focusing on the local market. So, on se rend compte que c'est tous ces fournisseurs de services cloud essaient aussi de vraiment de localiser leurs services, qu'ils s'approchent de leurs clients. Their market is changing fast, as you can see the blue. Donc on peut voir les flèches bleues qui représentent vraiment des protocoles d'Internet, l'Internet public. L'Internet public qui est vraiment partagé entre tout le monde, entre tous ces acteurs. Mais maintenant ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que de plus en plus ces différents fournisseurs de services Internet s'interconnectent entre eux de manière complètement privée. Think of it the way you have a service on your smart device. This has a JSON interface, an interface. Par exemple, vous avez un objet connecté avec plein de services. Ensuite, vous connectez à Francfort, à Amazon, à Francfort, à AWS. Mais ensuite, où est-ce que vos données sont vraiment stockées? Est-ce que c'est vraiment à Francfort ou est-ce que c'est dans un autre pays? En fait, vous ne savez pas. Et je pense que la raison pour laquelle vous ne savez pas, c'est parce que ces connexions privées, vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas voir, ce n'est pas exposé. Contrairement, si vous passiez par Internet public, vous pourriez voir que vous empruntez Internet public. Mais quand vous passez par ces réseaux privés qui connectent différents providers, ça vous ne pouvez pas le voir, c'est caché. Because it here once normally transport traffic from continent to continent, but if this is actually done by the cloud providers on their own, with their own equipment, with their own. Donc on voit qu'en fait ils passent complètement outre ce tier 1. On avait les nuages rouges plutôt dans la présentation. More than 90% of the traffic is not internet. This is enterprise. This is commercial traffic. So the internet itself. Et 90% du trafic, c'est ces échanges à l'intérieur des entreprises. Donc, Internet n'utilise qu'une public n'utilise qu'une petite partie du trafic mondial. Si on regarde l'exemple classique, celui de la transmission, on se connecte à l'épine dorsale, en plus ensuite l'information est retransmise. Bon là vous pouvez facilement mapper ça. Et la bonne idée c'était de faire des réseaux de distribution de contenu. Là, c'est ce qu'on voit sur les barils rouges. Et on les a mis près des points d'accès. Comme ça, c'est plus rapide pour y accéder pour l'utilisateur. Donc, il y a des copies de ces contenus. Et comme ça, vous pouvez accéder au contenu à partir de la localisation des données qui est la plus proche. Comme ça, c'est plus rapide et moins cher. Pourquoi est-ce qu'il faut aller aussi vite? Pour des raisons économiques. Ensuite, il y a les cas un peu spéciaux, ça c'est la VOD, audio et vidéo à la demande. Là, c'est pas exactement la même chose. Il y a des questions de DRM qui sont différents d'un pays à l'autre. Il y a même des services que vous ne pouvez pas avoir d'un pays à l'autre. Par exemple, le service de la BBC, vous ne pouviez pas y accéder depuis l'Europe centrale. Et ça, ce n'est pas à cause du Brexit, c'est bien plus vieux que ça.
Le problème, c'est que c'est des contenus qui sont pour la plupart locaux. Alors maintenant, on a les services over the top, OTT. Ça, ça veut dire qu'il y a des opérateurs qui n'ont pas leur propre réseau. Ils n'ont pas leur propre réseau d'accès, comme Time Warner aux États-Unis peut l'avoir, par exemple. Ils produisent du contenu. C'est pas exactement le modèle où on produit du contenu et on le transmet et ensuite on est payé. Non. Ces gens-là, ils ont besoin du réseau qui est déjà installé, nécessaire, et qui parvient jusqu'au consommateur. Et un réseau qui est suffisamment de bande passante pour pouvoir fournir ce contenu et pour que l'utilisateur en soit satisfait. Bon, là je définis ça un petit peu. C'est les moteurs de recherche, c'est les plateformes de réseaux sociaux, c'est la vidéo à la demande. Et là où ça discute pas mal, particulièrement en Allemagne, c'est que ceux qui transportent ces données ne participent pas vraiment aux revenus. Qu'est-ce qu'on appelle revenu ? Bah, ça peut être du cash, ce que les gens payent pour accéder à Internet. Mais il y a une autre sorte de monnaie, c'est nos données personnelles. Et par exemple, c'est ce qui est utilisé pour faire de la publicité. Et ça, c'est très important. Et là-dessus, les fournisseurs d'accès à Internet ne touchent rien. Ils ne touchent rien en termes de données personnelles. Et ça, ça les intéresserait beaucoup d'y avoir accès. C'est bien plus de valeur que n'importe quelle crypto-monnaie. Maintenant qu'on a ce modèle, on peut faire un diagramme comme celui que j'affiche. Et au centre, vous avez les fournisseurs de cloud, fournisseurs de CDN et d'autres services que des gens font. Bon. Mais est-ce que ça marche vraiment comme ça? Eh oui. Voilà un schéma représentatif. Si ça vous intéresse, allez voir le lien que j'ai mis, kaida.org, où il y a beaucoup de cartes, photographies intéressantes dans l'Internet. Ça date de 2017. Et vous voyez vraiment comment cette structure en oignon s'est mise en place. Comment ça devient de plus en plus dense au plus où vous vous approchez du centre. Et vous voyez aussi le centre de quelques sites qui produisent le plus de contenu pour Internet. Bon, maintenant, si on parle d'économie d'Internet, on en a déjà un petit peu parlé, mais ici, ça va être le cœur du sujet. Il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a la question de l'accès. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de cabine comme sur la photo en Allemagne. Tout ça est régulé par le BNetzA en Allemagne, l'autorité de contrôle allemande. Qui fait certaines obligations sur les câbles et sur quel genre de service doit pouvoir accéder à ce genre d'infrastructure. Bon, le cas classique, c'était que vous étiez, les individus étaient à peu près à 0,5 km d'un tel point d'accès. 500 mètres à peu près, et donc ça c'était un petit peu le cas il y a 10-15. Mais aujourd'hui, les gens veulent beaucoup, beaucoup plus de vitesse. Alors comment on fait ? On a ces systèmes, ces petits équipements qui sont dans la rue, qui permettent un accès, ce qu'on appelle bitstream. C'est là. Que c'est devenu important avec l'apparition du vectoring. Le cuivre
que vous avez là, ça ne peut, le genre de fil que vous avez ne peut être utilisé que par un seul opérateur cette fois. You have to put layer 3 on it. Layer 3 is actually the IP, the internet layer. So you get a layer 2 connection there. Vous avez une connexion sur la seconde couche, pas sur celle de l'IP, du protocole internet. Donc ça c'est public, vous pouvez vous renseigner sur le site de l'autorité de régulation. Tout ça c'est public et vous pouvez voir combien ça coûte à qui. Which run 1,500 meters away from you, you pay 10 euros per month. By the way, these prices are all without VAT, without Mehrwertsteuer. So don't be surprised. On voyait qu'il y a des différences de prix. Là, c'est les prix de production sans les taxes. Tout ça, ne vous connaît pas si c'est pas les mêmes prix que sur votre facture à vous. Comme vous voyez sur le côté droit. Les prix descendent progressivement et doucement. Et le prix de la connexion au premier nœud ne bouge pas beaucoup, mais le prix Internet, lui, a énormément descendu. C'est intéressant de voir que ce n'est pas forcément corrélé, cette... Donc dans les cabinets, dans ce genre de cabine qu'on trouve dans la rue, en moyenne à 300 mètres de chez vous. Bitstream access already mentioned. Important keywords here is vectoring. Tout à l'heure, je parlais du bitstream. Le point clé ici, c'est le vectoring. C'est ce qui va permettre d'aller à un point d'interconnexion. Et c'est ceux qui opèrent ce genre de vectoring vont vous connecter à ce point d'accès. Et comment est-ce que les fournisseurs payent pour ça? En fait, vous payez un prix de base avec un peu de trafic. Et si vous en voulez plus, vous avez le problème que vous devrez devoir payer plus pour ça. Plus tard, j'aurai un schéma qui montre ça. En attendant, voilà comment on peut le décrire. Et on voit un extrait de contrat avec 1,5 mégabits par mois, avec un peu de streaming. On voit que le trafic est divisé avec une partie sur le streaming. Et on voit aussi qu'il y a des applications critiques. Voilà le prix d'Internet, voilà ce que ça coûte. Est-ce qu'on peut payer un fournisseur d'accès à Internet? La partie importante pour nous, c'est la partie orange. C'est la partie du trafic Internet. Comme vous le voyez, c'est vraiment pas beaucoup comparé aux autres prix. Le bleu, c'est tous les prix cachés. Donc les fournisseurs vous vendent du trafic pour à peu près 60 euros. Donc on voit ensuite que okay, selon la qualité que vous demandez, vous allez avoir des prix différents. On the free market or up to 42. We call this an overbid. Comment la qualité basse est 3 fois plus chère que l'accès, la qualité haute est 42 fois plus chère que l'accès. Internet Huffing Core defined that there's a huge difference in price, as you have seen. Donc, à l'Internet, on peut voir qu'il y a des grosses différences de qualité et des grosses différences de prix. Bien sûr, vous payez pour la redondance et la fiabilité. Donc, la livraison de contenu. Donc, on peut voir que différents services étaient transportés à travers différentes couches. Donc, je rappelle que donc IP, c'est pas juste Internet, c'est juste le protocole. And then the OTT came, and they have the same services, but they use. Ensuite, il y a OTT qui est venu. Two VOD services on your network. One is
in the eyes of the access provider, their own. And the other thing is the VDD service, which is run on the internet, and they need bandwidth for. Pardon, pour vous donner une idée, Call of Duty, alors le téléchargement de Call of Duty, ça représente énormément comparé par exemple à livrer des films chez les gens, envoyer des films chez les gens. Donc, pour qui c'est important d'avoir une connexion internet rapide? So if you don't want to lose customers, you really have to have fast connectivity there. Donc on peut voir que la moitié des utilisateurs abandonnent quand quelque chose met plus de 30 secondes à charger. Ah, je passe à travers quelques trucs parce que je suis un peu court sur le temps. Donc on va parler de l'intégralité d'Internet. Donc une définition de l'intégralité du net, c'est que les fournisseurs d'accès à Internet traitent ce qu'ils vont faire naviguer sur Internet, traitent tout le contenu de manière égale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un contenu qui a la priorité face à un autre type de contenu. C'est-à-dire qu'accéder à vos emails, c'est la même priorité que regarder un film. On ne priorise pas, on donne pas l'avantage à quelqu'un ou un type de trafic par rapport à un autre. C'est ça la neutralité du net. Et donc, par exemple, en Allemagne, les régulations qui considèrent Internet, qui couvrent Internet, couvrent également la neutralité du net. On va parler de inspection de paquets, de facturation. Ok, donc voici quelques arguments pour le besoin de régulation qui concerne la neutralité Internet. Donc il y a des arguments pour, des arguments contre. Par exemple, pour on a besoin d'Internet neutre pour proposer donc l'égalité des chances. Quand Internet est neutre, ben les entreprises sont en compétition de manière égale. C'est important pour avoir un Internet démocratique, il n'y a pas de discrimination technique. Quelques arguments contre, c'est que l'Internet change trop rapidement, les contenus sont en fait différents, c'est pas vraiment la même chose. Donc par exemple au Portugal, ils n'ont pas la neutralité du net. Et donc l'accès à Internet, c'est vraiment effrayant parce que là-bas, les gens ne payent pas pour Internet. En fait, ils payent pour des services très particuliers. Vous allez payer, par exemple, pour juste avoir accès à Facebook et Skype. Vous allez juste avoir payé pour avoir accès à YouTube et Netflix. Ou vous allez juste payer pour avoir accès à Spotify, Google Play et SoundCloud. Mais vous ne payez pas pour avoir accès à Internet. Vous payez uniquement pour des services très spécifiques. Base services, and not only on the video on demand service as an example, then, yeah, I would say I would be scared. Moi, ça me fait plutôt peur. Donc, à quoi ça va ressembler dans le futur tout ça? Donc, près dans les deux prochaines années. Rate between 15 to 58% depending on the services. Video is one of the strongest with 58%. Donc on voit que le trafic continue de croître en particulier à cause de services de streaming. Netflix doing 15% internet. Par exemple, Netflix c'est 15% du trafic internet mondial. C'est un nombre énorme. Is encrypted. À peu près la moitié du trafic d'Internet est chiffré, ce qui est vraiment une très bonne chose. Donc c'est important parce que ça veut dire que votre trafic ne peut pas être inspecté. Les gens qui vont faire naviguer votre trafic, qui vont déplacer vos données, ne peuvent pas regarder ce que vous déplacez. Ça c'est important parce que ça veut dire que ils peuvent pas vous facturer sur le type de données que vous transférez. Net neutrality will be redefined. That means we have to take into account that there are these OTTs. They exist, but we have to find a way how to handle it. I do not know the answer to this. Donc, faut vraiment qu'on prenne en compte ces acteurs qu'il appelle OTT, qui ont un pouvoir énorme sur Internet en termes de transfert de données. On parle également donc des
walled gardens, des jardins fermés, des communautés fermées. Which has a huge wall around it. And this wall has gates. And everybody who wants to go through these gates to you as a customer, the one who owns. Et donc, c'est en fermant les réseaux, en fait, on peut en contrôler l'accès. Et ça peut être utilisé par certains opérateurs pour vous facturer l'accès. Bad thing because it limits the access and et donc ce type de réseau fermé on voit ça particulier sur le réseau mobile c'est pas vraiment une bonne idée. Mail service suddenly gets something special, you have to pay $4.99 for it. This is called Wallet Garden. Parce que, donc, par exemple, avec ces réseaux fermés, on revient à ce qu'on avait avec la question du Portugal, c'est-à-dire que vous allez devoir payer pour des services très spécifiques. Vous n'avez plus un accès global à Internet. On se rend compte aussi que de plus en plus de protocoles sont maintenant transportés à travers des tunnels, c'est-à-dire qu'on encapsule le trafic. All these links between these different cloud zones will grow, so. Actually, the internet traffic will only happen between. On voit aussi que de plus en plus d'applications, au lieu de directement fonctionner sur votre ordinateur, elles fonctionnent sur des serveurs et vous y accédez à travers Internet et à travers votre navigateur Internet. Ok, donc pour conclure, moi je pense qu'on a vraiment besoin de discuter plus de la neutralité du net. À l'origine, on a construit Internet comme un réseau d'échange d'idées qui donne accès à l'information de manière gratuite et de manière globale à travers le monde. Et on ne devrait jamais oublier que notre responsabilité ici, c'est de préserver cette idée originale d'Internet. Et je crois qu'on en revient au motto de la conférence. Refreshing memories, rafraîchir nos mémoires. Merci beaucoup. Thank you, Swayo. Merci beaucoup, Swayo. C'était fantastique. Ok, on va passer aux questions. Ok, microphone numéro 2, allez-y. Ok, j'ai une petite question et une un peu plus philosophique. Ok, la courte. Ok, slide numéro 60. Vous avez montré quelques chiffres à propos de la qualité de service QoS. Where did you get those numbers from? Où est-ce que vous avez trouvé ces nombres? Or, critical services or something like that. Are those real numbers? Est-ce que ces nombres sont vraiment vrais ou where are they from? D'où viennent-ils? Je vais reformuler votre question. Quelle est la source d'information pour les infos présentées sur le trafic et comment est-ce qu'on peut voir ces chiffres? C'est difficile à voir. Bon, j'ai une méthode de calculation mais que j'ai pas pu vous montrer parce que j'ai pas le temps. Ça utilise le numéro d'accès, je l'extrais, je l'utilise avec des éléments de trafic, des données qu'on a sur le trafic mondial. Bon, je dois dire, c'est que c'est un peu comme. C'est pas une méthode extrêmement précise. De toute façon, c'est quelque chose qui est tenu complètement secret. Même si je sais, je pourrais pas vous le dire. Vous avez dit que c'est jardin fermé, c'est réseau fermé? Non, vous m'avez pas compris. J'ai dit, dans certains cas, si vous avez une chance, vous pouvez être heureux dans ce jardin fermé. Mais du point de vue de l'utilisateur d'Internet, il ne faut pas oublier que bon, nous ici, on représente peut-être 2% des gens qui utilisent l'Internet. Pensez aux autres, pensez à vos parents, à vos grands-parents, c'est les utilisateurs d'Internet normaux. Ces gens-là, ils pourraient être heureux dans ces jardins fermés. Parce qu'ils pensent que c'est une espèce de prison dorée. Et ils disent « Ah, mais pourquoi est-ce que je vais changer ?» Nous, on leur dit « C'est parce que c'est nos limites, mais ceux, eux, ils ne comprennent pas ça. » Ma question principale, c'est que j'ai l'impression qu'on devrait avoir des changements technologiques importants au niveau de l'épine dorsale.
Est-ce que par exemple IP c'est vraiment la bonne chose pour le futur? Donc qu'est-ce qu'on pourrait plutôt adresser le contenu? Comment est-ce que vous voyez ces changements de paradigme? Est-ce que vous pensez qu'ils vont être adoptés dans le futur? Bon, j'espère que tout le monde a compris la question. Je vois de quoi vous voulez parler. Ce que vous parlez, l'interconnexion des fournisseurs de cloud qui utilisent leur propre mode de connexion. Bon, ce qui marche vraiment, c'est ce qui va rester. Bon, je ne sais pas où on en est exactement pour l'instant, mais il y a des projets que Google a commencé en interne, qu'ils ont mis, mais ça va se standardiser au fur et à mesure du temps. Bon, ça marche avec des systèmes de standards qu'on propose pour commentaires et qui sont plus ou moins adoptés au fur et à mesure du temps. Bon, je vais aller voir d'autres questions, mais on pourra en parler à la fin de la conférence si vous voulez. Maybe not that golden, but they need the environment. I would like to have a sarcasm shield here, but was no time. Number one, please. Okay, numéro 1. Je pense que une des leçons, par exemple, des mouvements sociaux, des révolutions un peu qu'on avait, mouvements révolutionnaires de révolte qu'on a vu en Égypte, c'est que il est très difficile de faire de la censure sur Internet. Create a public network that can be shut down. Why? Est-ce que vous pensez que l'industrie va travailler sur un réseau qui peut vraiment être coupé? Je dirais oui, définitivement. Je vois qu'il y a des gens qui essayent de défendre ça. Ils disent qu'il faut des réseaux parallèles à l'Internet existant. Vous savez l'expression Internet à deux tiers? Et bien bientôt, ce sera plutôt à N tiers. Un pour les business, un pour les utilisateurs qui payent, un troisième, un quatrième, avec un moins bon accès. Vous pouvez même pas regarder un film sur Netflix. Ça pourrait arriver. Je pense que c'est une des choses dont il faut se soucier. Pour être sûr que ça n'arrive pas. Bahn from Frankfurt to Leipzig to me, then suddenly. Do you think it's a good idea? Yeah, you end up in a different situation. It's not like every fast, time. Fast, but yeah. It seems fast. Okay. Mic 2, please. Okay, microphone number 2. Regarding the revenue streams. À propos des revenus utilisés par les fournisseurs avec Internet. For the big ones, which used to be. Donc on voit qu'il y a des fonds publics qui sont utilisés pour pas les fournisseurs avec Internet. Donc je pense que... J'essaie de rephraser votre question. Bon, je vais essayer de reformuler votre question, on va voir si j'ai compris. Vous dites que si on regarde l'accès, comme on a vu dans les schémas, toute cette infrastructure, pour la plupart du temps, a été installée par le gouvernement. Et maintenant, ils se remboursent là-dessus avec... Avec nos impôts. Oui, je pense que c'est un peu problématique. Qu'est-ce que je peux en dire? La partie de l'infrastructure. Il y a aussi une partie où il faut gérer cette infrastructure. Si vous voulez que ça marche pour plus que 80% du temps, il faut y mettre du temps. Et là, c'est les fournisseurs d'accès qui mettent cet argent-là. Donc, j'imagine qu'on pourrait dire que... C'est difficile de répondre. C'est vrai que... Bon, c'était déjà rentable avant d'être privatisé. Enfin, ça a déjà été remboursé. Avant que ce soit les compagnies privées qui s'en chargent. Mais il y a une bonne raison pour laquelle... Ils ont le droit de nous vendre ça. Parce que s'ils avaient utilisé l'infrastructure qu'on avait il y a 10 ans, bon, on aurait eu beaucoup de mal à évoluer là-dessus. Il n'aurait pas été possible d'avoir les cabinets, les appareils dans la rue dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a 10 ans, j'aurais été d'accord avec vous, c'est pas juste. Aujourd'hui, je dis, il y a quand même beaucoup d'investissements financiers. Donc peut-être que c'est normal qu'ils
qui nous le fasse payer. La question c'est sous quelle régulation? Please, sir, shoot. I have a question about these over-the-top services. Une question à propos de services over-the-top, OTT. C'est presque un terme politique. C'est une astuce qu'ils essayent de faire. Je pense que je pourrais payer pour mon accès à Internet. Et que du coup, maintenant que j'ai payé pour, je devrais avoir accès à Internet puisque j'ai payé pour. Peut-être que c'est uniquement la manière dont on paye, peut-être que ça devrait être un prix fixe. Peut-être qu'on devrait payer un prix équitable par une quantité de trafic, par exemple, teraoctets, gigaoctets. Free access to all these services. Okay. A little more complex answer here. Oh, ça c'est compliqué à répondre. La première chose, c'est que le streaming de vidéo, ça commençait à 2 mégabits par seconde. Et aujourd'hui, on est au moins deux fois plus, et en vidéo 4K, on sera bientôt à 10 mégabits. Le problème, c'est que les services over the top utilisent le réseau d'une façon pour laquelle il n'a pas été construit. Le protocole dit que normalement, on a un trafic moyen, et que le réseau garantit un trafic moyen. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des heures de pic. Bon, si vous venez tous les gens qui rentrent à la maison, c'est 6 ou 7 heures. Bon, c'est pas les seuls à faire ça. Et puis, tout à coup, il faut construire beaucoup de capacités pour pouvoir gérer ces flux. Et puis, quand tout le monde va dormir ensuite, le trafic va presque vers zéro. Bon, on a la bande passante, mais bon, ça peut prendre du temps pour commencer à faire le streaming comme ça. Comme vous avez vu dans le dernier schéma, la plupart des gens éteignent leur stream après 5 secondes. Donc les fournisseurs de services ne veulent pas que ces gens éteignent le stream au bout de 5 secondes s'ils n'ont rien. Donc, et il faut pouvoir faire ça, que ce soit au milieu de la nuit ou en début de soirée. Mais ces pics de trafic, c'est très difficile à gérer pour Internet. Donc les services over the top. Bon, ça marcherait bien si les gens se connectaient pas au même moment. Mais en fait, tout le monde se connecte à peu près au même moment. Je sais pas, par exemple, 20h15. Mais on paye tous les deux pour la bande passante. Donc j'ai payé pour cette bande passante et maintenant vous dites que je peux pas y accéder. Mais ok, tous les consommateurs le font, mais tous les consommateurs ont payé pour. Oui, mais vous pouvez pas payer pas pour le pic de trafic. Ça serait toute une autre conférence à faire. Mais vous avez raison, vous avez une garantie de bande passante. Mais il y a une différence entre le trafic en pic et le trafic moyen. J'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais on peut en discuter, moi je serai ici. Universe, there are some questions as well coming from the internet. Is there really an important one because we need to close here? You're available after this talk, but can I have the question from the internet? Please. There's no question from the internet. Okay, toujours pas de questions depuis internet pour l'instant. You're awake. I take one more question, please. Okay, une question en plus. Est-ce qu'il y a un rôle pour l'infrastructure vraiment publique? Est-ce qu'on pourrait avoir un effort public pour couvrir, par exemple, le dernier kilomètre? Non, ce n'est pas une réponse au problème, en fait. Ah, attendez, quelqu'un veut participer dans la salle? Bonjour, je suis... Je travaille en tant que fournisseur d'accès pour une petite ville. On travaille beaucoup avec les services administratifs à Stuttgart et dans les environs. Si vous regardez les coûts de construire une infrastructure locale, ça peut être malin de le faire de manière publique.
Stadtwerke dig up the streets of your city every year. Parce que tous les 30 ans, il faut qu'on refasse l'infrastructure à l'intérieur, sous les rues de la ville. Donc ça peut être une bonne idée de le faire une fois, de faire tout ce qui est eau, gaz, électricité, internet, plutôt que de refaire des travaux dans la rue tous les 3 ans. Mais la question économique, là, ça nous a conduit à faire les choses d'une façon pas manière, ou pas maligne, où effectivement on doit recreuser dans la rue pour déposer nos câbles, assez souvent. Donc on a fait une séparation entre les différentes parts de l'infrastructure. Ouais, en termes légal, c'est ce qui nous est donné par l'autorité de contrôle, mais c'est pas très utile. Mais si vous essayez de remettre en cause ça politiquement, c'est très difficile. Parce que beaucoup de gens disent que c'est impossible de faire ça. Merci beaucoup pour cette intervention. Je connais cette approche. Je sais qu'à Berlin ou à Amsterdam, une partie de l'infrastructure, par exemple, est publique. Mais ça n'avance plus. C'est un projet qui n'avance plus. Or the camp. Yes, sure. I thank you all for being here this early. Okay. Merci beaucoup pour être venus tôt ce matin.